C'est vrai que nos adversaires ont été très bons. Bon, malheureusement, ils ont craqué sur une ou deux mains. Et puis Henri a été décisif pour nous aussi sur une ou deux mains, car s'il manquait, on pouvait prendre cher. Mais voilà, on a été réguliers tous ensemble. Et ça finit une belle semaine. Voilà. Alors justement, mais Henri Lacroix, comment vous sentez-vous maintenant, soulagé? Une de plus sur le maillot, on a envie de dire, pour vous. Bah oui, pour moi, ça fait ma deuxième, parce que j'avais perdu deux fois à la porte, donc une fois contre mes partenaires du jour. Mais c'est la loi du sport, et puis c'est vrai que je suis content de gagner avec eux parce que je les apprécie beaucoup et je suis très content. Et puis tous, on vous a vu étirer et pointer. Stéphane, ça a été un peu, on a un peu échangé les rôles, fin de compte, au cours même de toute cette semaine. Non, c'est vrai que voilà, j'avais un rôle de pointeur à tenir et je pense que dans l'ensemble, je l'ai bien tenu. Et je pense que voilà, je pense que c'était un peu le moteur de notre équipe. Voilà, mettre mes partenaires sur deux morailles. On a chacun bien tenu notre rôle et voilà, c'est, on a vraiment fait une belle semaine de pétanque, d'amitié aussi, c'est important. Et voilà, et à la fin, on est récompensé par cette belle victoire. Voilà, puis beaucoup de sportivité, ça s'est passé dans la grande courtoisie, dans le sport avant tout. Et encore bravo, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, une étoile de plus. Après 3 ans d'absence, je crois que tout le monde était heureux de vous retrouver, Dylan, ici sur ce terrain des finales. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà. J'avais quitté le Vieux-Port en gagnant, je reviens en gagnant. C'est un bon retour gagnant, on va dire. Voilà, super. Et bravo pour votre club, l'ABC Draguignan. Bravo pour les Barrois. L'histoire de la télévision française.